Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du FJ Radio Show. Aujourd'hui donc 78e cérémonie de la Libération. C'est ça. Et donc je suis en compagnie de Pierrick Bréchoir. Exactement. Bonjour Pierrick. Bonjour. Vous allez bien? Pas trop mal, ça va. Alors dites-nous, que faites-vous affublé dans votre plus beau costume? Eh bien on vient comme par habitude à la cérémonie du 8 mai, que ouais. Ce soit on alterne à la Ferrière ou à Dompierre. Et ouais. Aujourd'hui nous sommes à Dompierre. D'accord. Et donc vous faites partie d'une association qui joue régulièrement pour des événements? Comment c'est ça, se passe? C'est le marché de manque de la Ferrière. On a un groupe de musique, ouais. Composé de différents instruments, il y a des cuivres, des percussions. On participe à des événements comme aujourd'hui, mais aussi à plusieurs défilés, des carnavals, des mi-carèmes et tout type de sorties, qui a des prestations musicales. Si on part dans les instruments avant, nous avons des sous-bassophones, des bugles. René, je te présente. Viens. René, vous venez à côté de nous? Viens René. Oui. Vous nous faites un petit coup de... Alors, ça, là, il y a des instruments comme des bugles. Nous avons aussi des trompettes. Ouais. Lorina, tu peux venir. Vous pouvez nous faire un petit... Tu me fais écouter ton instrument? Allez. Ah, mais c'est très court. Non, mais après, on va jouer tout à l'heure. Après, nous avons madame Lorina. Lorina, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi des trombones. Des trombones. Des saxophones. Tiens, Marius, si tu veux venir. Marius, venez nous faire une petite mélodie. Ah ouais. Je te laisse avancer. Un petit peu de bruit, ouais. Bon, toi. Voilà. Bon. Ça, nous avons également en percussion des caisses claires, ouais. Des grosses caisses, ouais. Des métallophones. Nous avons des marimbas. Bonjour Alice. Bonjour. Alors quel est cet instrument? C'est un xylophone? C'est un marimba. Un marimba. Autrement appelé vibraphone aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques petites notes? J'ai reconnu un Doremi Fa Sol La Si Do là. Voilà, c'est ça. Bon, c'est compliqué à jouer? Oui, c'est compliqué à jouer. Voilà, faut retenir les notes et tout ça plutôt, parce que bon, on n'a pas les partitions avec nous, donc c'est plus ça qui est compliqué. Et moi, je joue avec trois baguettes, donc c'est une autre particularité. Ah oui, il faut quand même savoir. Hein. Oui. Bon, ben bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Alors, Pierrick, ce défilé avec la musique, ça s'est bien passé? Ça s'est très très bien passé. On a eu un beau temps, on avait du monde, donc. Très très bien. Puis alors vous aviez remis au goût du jour en fanfare les titres bien connus. Hein. C'est ça, on joue des morceaux actuels, ouais. On essaye de dynamiser, d'avoir des morceaux dynamiques et puis entraînants. Donc tout le monde joue le jeu, donc c'est formidable. Ouais, moi j'étais assez bluffé parce que c'est vrai qu'on s'attend à des choses un petit peu plus protocolaires et en fin de compte, ouais. On voit que dans les cérémonies s'invitent des musiques beaucoup plus nouvelles et récentes. C'est cela, on est passé du mode fanfare en brass band et marching band, donc on essaye de jouer des morceaux entraînants et en évoluant dans les rues. Ouais, ah, très très sympa. Bientôt la fanfare de Rocky, parce que c'est des instruments qu'ils prennent, non? C'est ça, ouais. Donc on s'adapte et puis on fait tout ça. Et du coup... C'est ce alors, que je voulais vous dire. Voilà. On profite de l'occasion d'être à Dompierre pour vous dire que on accueille des jeunes, des moins jeunes, toute personne qui veut faire de la musique, à venir nous rejoindre via les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter et puis à nous demander si vous faites de la musique, si vous connaissez déjà, si vous avez déjà des basses, pardon, ou si vous êtes novice. On accueille toutes les personnes à venir nous voir, ne serait-ce que venir nous voir pour voir comment ça se déroule. Mm-hmm. C'est nous qui gérons la formation des jeunes musiciens avec des cours de musique. Donc n'hésitez surtout pas, contactez-nous et puis on sera un plaisir de vous accueillir. Alors pour le contact, c'est quel est le nom exact? Comme ça, alors, moi, je vais le mettre en dessous la description. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, c'est Marching Band La Ferrière. Marching Band, donc tout en un mot? C'est ça, Marching Band La Ferrière. La Ferrière. Moi je vais oui. Vous envoyer tous les oui, liens. D'accord. Je vous enverrai tous les liens. D'accord. Comme ça, bon, eh ben, voilà, n'hésitez pas à rejoindre la troupe. Hein. Exactement. Et puis notre groupe qui sera un plaisir de vous accueillir. Bon. Hein. Bon week-end, Pierrick. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue pour ce 8 mai 2023 qui commémore en hommage au 8 mai 1945. Vous savez que cette cérémonie est organisée par les sections UNC de Dompierre-sur-Yon et de la Ferrière. Donc, deux présidents sont là avec les porte-drapeaux et les adhérents et les deux communes de la Ferrière et de Dompierre-sur-Yon. Le premier adjoint du maire de la Ferrière est avec nous ce matin. J'ai la responsabilité confiée par le président de la section UNC de Dompierre-sur-Yon de vous faire part du déroulé de cette cérémonie. La montée des couleurs, les allocutions, les dépôts de gerbes, l'hommage aux morts, et ensuite
nous écouterons les amis, les musicos de la Ferrière avant de rejoindre l'Espérance La Ferrière Vendée, avant de rejoindre la salle Mago pour le verre de l'amitié. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous! Ils ont tout du temps. Attention pour les couleurs. Bah, il doit s'en mettre garde à vous. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Lecture du message de l'UNC par M. Brugnon, président de la section de Dompierre-sur-Yon, accompagné de M. André Lainé, président de l'UNC de la Ferrière. En ce 8 mai 2023, nous commémorons le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Nous constatons qu'une nouvelle guerre, fruit de la violence entre deux États, perdure depuis un an à nos portes, à 3 heures de vol de Paris. Rappelons-nous l'épisode de la drôle de guerre, de 1939 à 1940, début de la Seconde Guerre mondiale, qui avait d'abord embrasé l'Europe avant de s'étendre au reste du monde. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux issus de l'Empire français et de la métropole qui ont contribué au combat pour la liberté, à la libération de notre pays du joug nazi, à son redressement et à son retour dans le concert des nations. Préparons-nous en cette période incertaine à toute éventualité. Les menaces ne sont pas seulement de l'Europe de l'Est. Le terrorisme mutant, permanent, continue à sévir dans tous les continents et nous menace à domicile. Le contexte géopolitique mondial est changeant, au rythme des crises, des confrontations, des intérêts économiques et politiques de nombreux pays, notamment ceux dits émergents. Mesdames, Messieurs, le 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés, réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie, qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand, surtout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Gerbe de l'UMC déposé par M. Henri Brugnon de la section Dompierre-sur-Yon et de André Lainé de la section de la Ferrière. Accompagné d'enfants du CM. Gerbe de la municipalité, voilà. Déposé par les élus de Dompierre et de la Ferrière. Aux morts, je
observons une minute de silence. Défiler au son de la musique jusqu'à la salle Magot où une aubade sera donnée. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour FG Radio Show, ravi de vous retrouver. Ben, moi de même. Très bien, merci. Alors cette 78e cérémonie de la libération s'est bien déroulée ? Eh ben écoutez, ça s'est très bien passé. On craignait la pluie, mais ça s'est finalement passé du mieux possible. Effectivement, la cérémonie s'est déroulée au Monument aux Morts, hein, dans le centre de Dompierre-sur-Yon, avec les allocutions des présidents des sections UNC de l'Union Nationale des Combattants de Dompierre-sur-Yon et de la Ferrière. Et ensuite,
avec le représentant du maire de La Ferrière, Alain Auger, le premier adjoint, et Marietta Retailleau, adjointe à la vie associative. Nous avons lu le message ministériel dévolu pour célébrer la victoire des alliés du 8 mai 1945. Voilà, c'était un moment qu'on veut aussi intergénérationnel, parce qu'il y a aussi la question du devoir de mémoire qui se traite au-delà de la lecture des différents messages. Et donc les CME des deux communes étaient présents. Ils ont aussi participé en lisant un message à cette occasion-là. Et je crois que s'il y a un message qu'on doit retenir d'une journée comme celle-ci, c'est bien le fait de sensibiliser la génération future, la génération nouvelle, à ce que ces conflits ne se reproduisent plus. En tout cas, on le souhaite. Et on peut constater aussi le renouvellement du répertoire musical, ce qui fait aussi peut-être avancer les mentalités avec un petit coup de jeune. Oui, c'est vrai qu'on a la chance. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir la troupe de l'Espérance ferriéroise qui nous accompagne sur nos manifestations, soit à Dompierre, soit à La Ferrière. Cette année, la cérémonie du 8 mai et du 11 novembre se déroulera à Dompierre-sur-Yon, et l'année prochaine à La Ferrière, c'est en alternance. C'est comme ça que ça se produit, et c'est très bien ainsi. Là, maintenant, l'heure est à ce que chacun et chacune puisse se retrouver, échanger et puis se désaltérer avant de se quitter pour un après-midi, sans doute en famille. Voilà. Je vais essayer d'aller interviewer un ancien combattant et éventuellement donc le président de l'UNC, Henri Vrignot. Oui, voilà. Très bien. Oui. On y va ? À bientôt. Allez. Alors, je me trouve avec Monsieur Vrignot. Bonjour, Monsieur Vrignot. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. La cérémonie s'est très bien passée, alors pas de problème. Oui. Alors, vous l'avez trouvée comment, cette cérémonie, par rapport... Il y a une différence par rapport à celle des années précédentes ou pas ? Non, c'est généralement à peu près pareil. Je suis un peu surpris, il y a quand même... il y avait pas mal de monde, c'est bien, quoi. Bien, bon, la météo était avec nous, c'est très bien. Donc, ça va. Et alors là, vous êtes présent à titre donc de l'UN... vous m'avez dit, c'est... L'UNC Dompierre, l'association UNC Dompierre, qui dépend de l'UNC départementale et de l'UNC nationale, l'Union nationale des combattants. Voilà. Et donc, il y a combien de temps que vous êtes à la tête de cette... Depuis 2019. Donc moi, je ne suis pas ancien combattant, je suis soldat de France, en tant que soldat de France. Oui. Et depuis 2019, je suis le président de l'association Dompierre-Oise. Bon. Et alors cette croix-là que nous avons sur votre costume, elle représente quoi ? Oh ben ça, c'est l'engagement bénévole au niveau des présidents. On a droit à cet insigne. Donc, voilà. Et des projets pour cette fin d'année ou l'année prochaine ? Des gros événements ? Les gros événements, nous, pour cette année, nous, on est mois de mai, on fait un pique-nique au mois de septembre. Après, on a surtout le 30 août, au Bois des Gars, la commémoration du 30 août. Et ensuite, le 11 novembre, qui se passe à Dompierre. Bon. Toutes ces cérémonies sont jumelées avec la Ferrière, et donc le 11 novembre, c'est à Dompierre. Une année, c'est à Dompierre, une année, c'est à la Ferrière. Très bien. Sinon, pas de projet réel, quoi. Mais notre autre principal, c'est les commémorations, malgré tout, la mémoire, le devoir de mémoire. Bon. Voilà. À transmettre à tous nos jeunes. Oui. Voilà. Merci, Monsieur Vrignot. Merci. Bonne fin de journée. Problème. Merci. Au revoir. Au revoir. Pendant que derrière moi des médailles sont transmises, je vous donne rendez-vous donc à samedi pour les portes ouvertes des associations donc à la salle Magot. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.